Eh bien salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série sur Lego la grande aventure. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Kultag, alias Mélie, ma copine. Bonjour à toi. Salut. Ça va? Ça va. Ah d'accord. Quoi de neuf depuis la dernière fois que t'étais venu d'ailleurs dans une de mes vidéos? C'était dans un épisode, les premiers épisodes de Lego Marvel d'ailleurs. Bah je suis devenu Kultag. Ah super oui. Espion. C'est vrai que maintenant, voilà, maintenant t'es cool tag, donc d'ailleurs, je suis cool. Et t'es tag. Ah. Ou pas. Et toi, tu es devenu un petit loser. Mais non, je suis Emmett, c'est pas un petit loser, c'est le zéro. Non? Ou pas? Bon, attends. Non. En fait, y a que toi, donc ouais, faut que tu rassembles les pièces qu'il y a au sol, vas-y. Non, Emmett, il est tout mignon. Surtout en plus avec sa coiffure sur le côté, regarde, il y a un cheveu qui se barre en coucougnette, mais ouais. Il est trop chou. Ton David est chou. C'est mon petit chouchou. Et on se calme. Donc voilà, tu montes là-haut. Moi, je sais pas si je peux te rejoindre tout de suite. Attends, au pire, je vais aller. Ah oui, faudra que t'ailles sur le toit, donc vas-y, continue. Voilà. Et faudra que tu me donnes un petit accès Attends, déjà, je sais même pas ce qu'il faut. Bah, en fait, maintenant, descend. Voilà. Et là, continue, et là, tu tapes sur l'échelle que t'as en face de toi. Voilà, comme ça fait que moi je pourrais te rejoindre. Alors attends, hop, ah j'arrive pas, d'accord, en fait, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce, mais, alors, il est lourd. Oui, un peu. Alors J, pourquoi ça marche pas? Ah d'accord, ok, donc qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre une porte, ok, bah écoute, mais on y va. Honneur aux dames. Ah oui c'est vrai, bah vas-y, attends, ou alors on y va en même temps, ah non, c'est pas bon. Donc, le toit de la Flatbush, donc quatrième chapitre de notre série. Donc, ça va être encore une fois dans le Far West. Eh bien, c'est parti. Ou pas. Ah si. Ces oiseaux mécaniques porteront notre message. Ils iront à un café internet pour envoyer un mail aux autres maîtres constructeurs. Et nous nous retrouverons au pays des petits nuages. Des petits nuages? Mais... Le pianiste, ouvrez. À toi. Je crois que c'est bon. Oh, les mains. Je veux seulement la pièce de résistance. On préfère mourir plutôt que de la donner. Je n'ai pas envie de mourir. Écoutez, les gars, on peut faire ça gentiment ou ce sera... Cours. Et la manière forte, feu. Vitruvius, c'est où le pays des petits nuages? Allez vers le grand objet brillant dans le ciel. Le soleil, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et eh bien voilà, donc on va devoir se rendre au pays du petit nuage. Donc, alors attends, tu veux... on va faire un petit truc. Parce que les vibromasseurs, c'est pas super cool quand on joue à un jeu comme celui-ci. Donc, ouais. Ah, je crois que... Ah d'accord, j'ai pas accepté. Ok, bah c'est pas grave, pire. Et je suis sensible aux mains, je supporte pas ça. Ouais, en plus. Il y en a qui aiment ça, mais pas moi, je suis pas bien avec ça. T'as pas les vibromasseurs? Non. Moi, je préfère quand c'est des mains. Par contre, du coup, mauvaise nouvelle, je suis cool... Quoi? J'ai rien dit. Ah d'accord. Donc mauvaise nouvelle, je suis Kultag et tu es Emmett. Ah d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure je suis perdu en fait. Oui moi aussi, c'est quête. Je joue, attends mais je suis... Ah la tête. Par contre il y avait pas un truc à faire péter. Ah bah à part ça je veux dire, à part celui-ci. Ah d'accord. Ok, donc attends, moi je suis la gonzesse. Donc attends, bah au pire je vais réparer ça. Ça change pas beaucoup d'habitude hein. Ah mais moi je suis paumé, j'arrive pas à... Mais moi aussi je suis paumé, attends, on peut pas changer de personnage là des fois? Ah si c'est bon, vas-y, prends Kultag. Non t'avais déjà Kultag, voilà, et là moi je vais reprendre Emmett, voilà. Ah, on s'y retrouve un petit peu mieux, ou pas. Attends, qu'est-ce que... Mais... Ah, que... Ah mais attends, c'est quoi ce bazar? Attends, il faut prendre... Mais, voilà, d'ailleurs, j'ai fait brûler le vieux dans les flammes. Ah d'accord. Pourquoi fait-il si chaud? Je sais pas. Il y a le feu? Non. D'accord, donc déjà faut faire passer le vieux. Avancer. Mais en fait, non, en fait le vieux c'était... Non, le vieux en fait fallait qu'il tire sur le machin, attends. Le vieux il va falloir qu'il se dépêche un petit peu, voilà. Voilà, c'est bon. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça me fait penser à Dumbledore en fait. L'histoire de la prophétie et tout, ça me fait penser à Harry Potter. Ouais. Ah oui, avec Lord Business, ouais, remarque. Ouais, bah ils s'en sont peut-être inspirés un petit peu, hein, éventuellement. Par contre, attends, je vais essayer de... Ah, voilà. Ça, c'est pour éteindre le feu. Super, vous avez éteint le feu.
Oui, c'est ça. La passerelle est détruite. Mais mince alors. Alors, la passerelle est détruite, donc on va en reconstituer une qui soit forcément mieux. Voilà, comme ça tout le monde pourra passer, même tout le monde. Voilà. Bah, moi je suis tombé. Ah bah toi t'es tombé, bon bah attends. Je vais prendre Zemet parce qu'on va avoir besoin de lui. Juste ici. H. Ok. Ok, donc H. Et qu'est-ce qu'on va faire péter là? Ah d'accord, donc là c'est un passage pour toi. Donc vas-y, monte en haut, on verra bien. Moi par contre je sais pas comment je vais faire pour monter, mais au pire on c'est verra. Pas grave. Oh, d'accord, voilà, c'est ça. Donc déjà tu récupères le premier plan. Ok, d'accord, de toute façon il va falloir que je monte à un moment donné ou à un autre, hein. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être comme ça, non? Ah bah non. Alors, peut-être que je descends? Bah je casse tout, puis on verra rien. Ou alors, ah, peut-être que le vieux, il est peut-être très agile dans sa jeune vie, non? Non, apparemment non, il a pas l'air très agile, hein, c'est pas... Ouais, essaye de sauter en fait sur le truc là-haut, voilà. Et voilà, c'est ça. Et essaye de voir s'il n'y a pas un petit truc à péter dans les coins, un truc comme ça, tu vois. Parce que là, non, là je vois pas. Descends, il y a peut-être un... Ah, là il y a le deuxième plan, donc ouais, en fait, voilà, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu... T'as... En fait, on n'a pas besoin de monter là-haut. On va juste descendre. Hey, je sais suivre les instructions. C'est ça. Donc, on a besoin de quoi? Donc déjà, on va devoir reconstruire quelque chose. Il s'agit de... je sais pas quoi. Donc alors attendez, H, voilà. Donc on a besoin de deux autres pièces. Ah d'accord, c'est un totem, ok. Ok, on a besoin de cet élément là. Ensuite, un élément bleu. On va prendre celui-ci. Et c'est bon. Voilà, donc nous avons fabriqué un magnifique totem que l'on va devoir sûrement détruire. Ou pas. Si, il a l'air bien parti là, voilà. Ah d'accord, c'est pour faire une petite passerelle, donc là on va devoir prendre le vieux. Donc on va prendre le vieux Grigou. Ah mince, il arrive pas à monter le vieux là. Donc, bah il est vieux. Bah oui c'est ça, il est plus tout jeune hein, le vieux. D'accord, j'arrête. Ok, donc on va monter par ici. Mais tu vas me lâcher celui-là là. Il est chiant. Ici qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bah ici il faudrait Emmett. Attends, il est où Emmett? Ah il est là. Ok, ça roule. Ensuite ici on va devoir détruire ceci. T'arrives à te débarrasser de lui? Je crois que là je prends des pièces. Ouais vas-y prends les pièces. J'ai détruit l'horloge et il va sûrement falloir reconsulter des pièces pour les remettre ensemble après. Là c'est vrai qu'il y a des pièces par contre. Hop là ouais. Nickel. Donc il y a deux mecs. Tu fais tout, laisse-moi là. C'est vrai que... Ouais non mais t'en as 4000 de plus que moi, ça va. T'es pas... quand même. Hein. Un petit peu. Non. si un petit peu. Alors attends. On va reconstituer... C'est quoi ça? C'est pour passer, je pense, au-dessus. Ah, t'es tombé, par contre. Oh là là. Ok, donc... d'accord, je sais pas ce que ça a fait. Je crois que ça a replanté, en fait. Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Attends, je suis en train de... Mais il peut pas, en fait, l'ouvrier. Ah bon? Depuis quand? Et lui, il peut? Je crois que... oui. Le vieux... Et la fille aussi, mais ouais. Mette, il peut pas. T'en souviens, dans l'épisode 2, c'est pareil, ça marchait pas. Ah oui, il me semble qu'il y avait un souci avec le ventilo, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un bug, c'est juste que les mecs, ils peuvent pas. Ah, il est d'accord. Pas assez intelligent. Apparemment, d'accord, ok. Ok, bah c'est... en fait, moi je trouvais que c'était un bug parce que vu comment c'était fait. Ah, d'accord, faut balancer le bâton dans le trou. Bah écoute, on va essayer de faire ça. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, c'est une bagnole, ok. Et eux, bien sûr, ils détruisent le pont. Patapon. Donc on va essayer de mettre le bâton dans le trou. Là. Par contre, déjà, avant, on va essayer de dégommer les vieux là. Enfin, les robots. Voilà, donc le bâton dans le trou. Voilà. Et là maintenant c'est pour cool tag, donc cool tag à toi. Ouais, j'arrive. Ok. Ensuite là. Il va, ouais, voilà. Je vais prendre Emmett, hein, si jamais. Voilà, super. Merci. Donc on va monter au-dessus, si j'y arrive. Mais qu'est-ce que... En plus d'être nul pour les constructions, il arrive même pas à monter les échelles, c'est n'importe quoi. Mais c'est la pierre qui... Oui, bah non, mais il faut pas qu'il empêche de monter, mais c'est... Il a des excuses bidons, Emmett, mais non. Oh, mais là. C'est mon chouchou, donc... Ah oui, c'est vrai, mince, j'ai rien dit. Ok, c'est bon, donc là, j'ai ramassé pas mal de pièces, si jamais, hein, donc... par contre, ouais, faut que je reconstitue ces... Tu crois qu'il va arriver à reconstituer ceci ou pas? Je sais pas. Non, okay, non, il arrive pas, non, apparemment, donc vas-y, fais-le. C'est vrai qu'il est nul, en fait. Mais non, il est pas nul. Si, il est nul. Mais je trouve que c'est bien comme ça, par exemple, quand on joue à deux, bah, tout le monde peut faire quelque chose. C'est, bah, ouais, c'est ça, au moins, ils ont partagé ça, c'est pas mal. Donc, alors, H, ok, donc on va prendre ça, ça, et ceci. Ok, super.
Donc, ce qui va nous permettre de reconstituer... ça va être, je pense, un élément assez gros. Ah, d'accord, c'est une catapulte, super. Une catapulte à poulet. Donc, avis au poulet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, H. Ok, en fait... Ah, c'est une tyrolienne. J. Oups. Qu'est-ce que c'est, en fait? Attends, c'est une tyrolienne pour tirer... Ah d'accord, c'est pour faire fuir les mecs, ok. Bon bah apparemment toi tu as quelque chose à reconstituer, donc attends, je vais venir avec toi. Parce qu'il faudra faire passer Matt à un moment donné ou à un autre façon. Bah il peut partir tout seul. Non il peut pas, ou alors... Bon salut les mecs, je me casse. Non d'accord, j'ai la prophétie. Tu limites vachement bien, franchement c'est sa voix. Ah bon? Ouais. Ou pas. C'est toi le doubleur en fait. Non même pas vrai. Donc alors attends, va... ça va être encore une tyrolienne. Ah là pour réparer des choses, là ça va, tu vois, mais là pour construire, là ça va plus. C'est mignon les petites poules. Ah mais les poules, c'est comme dans Pierre des Caraïbes, on va faire des poules à l'eau ou des poules mouillées, je sais pas. Non, J'en veux un. De quoi, une poule? Oui. Ah d'accord. Alors, ah, un point de sauvegarde. Ça rappelle un truc, hein, dans l'épisode 3, n'est-ce pas? Ok, donc on a 3 plans de construction à récupérer. Donc, pour moi on en est... Attends, il y a des robots qui nous suivent, c'est assez embêtant ça par contre. Ok, donc il y en a un ici. Donc, on va devoir aller en dessous, tu penses ou pas? Là, je sais pas trop en fait. Attends, je vais prendre Vitruvius. Ah, bah c'est bon, ouais. Là, déjà, on a un plan de construction, ouais, nickel. Je vais pas dire, mais je fais tout le boulot là, putain. C'est pas vrai. Là, il y en a un là. Ça? Là. Ah, d'accord. Ah, bon, bah on a déjà tout récupéré, donc merci à toi. Bah, donc, ouais, je vais tout reconstituer avec Emmett. Donc, Emmett. Aïe, non attends, je vais reconstituer, voilà. C'est encore une catapulte ou pas, là? Je crois que oui. Donc, il nous faut une petite pièce noire. On va devoir prendre ensuite une pièce carré marron. Ok. Chocolat, voilà, une pièce chocolat. Chaud. Arrête. Non, d'accord. Donc on va prendre la pièce d'en haut. Oh merde, mais voilà, je suis trompé. Bien fait pour toi. Mais merde, attends, j'arrive pas à sélectionner la bonne pièce. C'est mais ton karma. Mais sérieux, mais attends, j'ai... Mais attends, sélectionne-la, vas-y, appuie sur un. Attends. C'était toi, en fait, il avait... Oh là là. Attends, c'est une bordel. On a plus d'argent. Oh, bah, ça, au pire, c'est pas grave. Hein. On va aller sous les toits, et puis voilà. Non, c'est sous les ponts. Donc, on a réussi à reconstituer une catapulte. Pas. Ah, si, c'est ça. Et un baril de TNT. Ok, donc là... dégage. Ok, donc tu vas chercher le baril de TNT ou tu veux que je le fasse? Ouais, comme ça je m'occupe des méchants et toi en même temps tu le places. Ok, nickel. Ah oui, d'accord, c'est comme dans Pierre des Caraïbes, c'est-à-dire que tu peux le diriger en montant dessus. Ok. Ouais, attends, faut Vitruvius... Bah, attends, faudrait qu'il en fait. Ouais, je sais pas, il me dit Y, mais quand je fais Y, ça fait ça. Ouais, mais Y c'est pour changer de personnage. Alors, peut-être qu'il en faudra un deuxième, ce qui m'étonnerait, mais attends, on va essayer quand même. On fait la queue avec les barils ou quoi? Comment ça se passe? Mais attends, je pense qu'il faudrait peut-être Vitruvius, hein, si jamais. Bah, en plus, j'y arrive pas. Moi non plus. À quitter. Bah, attends, il est où Vitruvius? Ah, il s'est fait écraser, hein, le Vitruvius. Hein. Ah, mais en fait, non, faut que tu sautes. Faut que. Appuie sur Y. Non, mais tiens, pas appuyé. Appuie brièvement, voilà. Pour sortir et après on appuie sur H. Vas-y, mets-toi en face et on va appuyer sur H. Moi j'ai pas H. Ah, c'est moi qui l'ai alors. Ouais, c'était à Emmett de le faire apparemment. Donc ça a éliminé tout le monde. Toi, bah, c'est nul. Emmett? Ouais, bah t'as à mettre en place des catapultes. Ouais. C'est vrai que ça. Oui, c'est vrai. Allez, dégage Vitruvius. Voilà. Je t'ai roulé dessus. Je suis comme ça, moi, tu vois, dans. Je suis comme ça, ouais. Alors attends, H. Voilà, nickel, comme ça il va dégommer. L'autre partie, bon, bah, on va recontinuer, hein. Enfin, on va continuer surtout. Dégage Vitruvius. Il est toujours sur mon chemin, lui, ah là là. Ok, donc là, on se met ici. Aïe. Ah mince, par contre, là, j'ai cassé la tronche à coup de tag. Excuse-moi. Alors, je vais faire ceci. Ouais, les poules, elles ont peur. Ok, ça va permettre sûrement de faire une échelle. Ah, là, c'est à moi. Ah, non, c'est à Vitruvius. Ou c'est à toi, je sais pas, je crois que les deux peuvent le faire. Hein. Bon, ouais, pire, moi, attends. Je prends des pièces. Ouais, voilà. Ah, d'accord.
Ok, donc ce qui va nous permettre de faire une passerelle, et il y a un mec qui est découpé à moitié dedans, mais au pire c'est pas grave, on fait comme si on n'a rien vu, coucou. Alors, ok, on avait besoin de cool. Mais il est violent ce jeu. Oui, c'est un jeu assez sadique, hein. Donc on a besoin de... Ah, on a besoin de moi, pour une fois. Comment on fait pour mettre le bâton dans le trou? Comme ça. Comme ça, voilà. Donc maintenant on a besoin de cool tag. Cool tag, vas-y. Saute sur le bâton de berger. C'est dans l'autre sens. On va essayer dans l'autre sens pour monter là-haut. Et après il faudra que tu exploses la petite échelle là. Ah, les poulets sont de retour. Ok, cool. Donc on va monter là-haut. Et je crois que seul Vitruvius peut passer là-dessus. Oui. Non. Oui, parce que j'ai essayé et je peux pas. D'accord, ok. Donc on va le faire passer mais en sautant. Parce que Vitruvius c'est pas le tout, mais il est peut-être vieux, mais il a quand même gardé une certaine jeunesse. Hein. Ah, bah, ça fait un bon. D'accord. En fait, ça servait peut-être à rien que je passe. Ah, il est fort en Vitruvius. En chocolat. En chocolat, Vitruvius. Enfin bref. Et moi, je plante. Hein? Je plante. T'as planté? Hein? Je n'arrive pas à sauter. Ah bah maintenant t'es mort, au moins c'est pas grave. Je suis morte. Ah oui, t'es morte. Ou t'es morte, Adèle. Comme Non, d'accord. Par contre, Emmett, il nous suit pas. Oh, une pièce violette! Non, 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 c'est moi qui l'aura. C'est moi, c'est moi! Le glisse. Mais. Je l'aurais. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que faut que tu ailles au milieu. Attends. Allez, allez. Ah, mais y'a Emmett, y'a Emmett! Non, non, ah, y'a Emmett. Tu piques la pièce, t'es ma barrière. Attends, mais je vais la piquer la pièce. Non! Façon. Ah, si, ah, si, ah, maintenant. Non! Non, ah, non, mais t'as vu, à cause de toi, on a tout perdu. On a perdu une pièce à 10 000. Mais. On a perdu la pièce, quoi. C'est ta faute. Oui, je sais. Et moi, j'ai eu deux chances, autant qu'il n'y a qu'une seule. Mmh. Donc forcément, c'est ma faute. Voilà. Ah ben, hey, quand on est mauvais jusqu'au bout, et je le suis mauvais jusqu'au bout. Donc voilà. Moi, j'assume. Voilà. Non, mais sérieux, il n'y a pas moyen. Il n'y en a pas un qui s'est volé, là. Le Vitruvius, il est tellement vieux qu'il peut pas voler, là. Non, non, on peut pas, en fait. Oh, c'est pourri. Hein. Oh là là. Bon, attends, je vais prendre le petit Emmett, voilà. Et on va aller casser la tronche aux caisses. Ah non, en fait, faut casser les échelles pour éviter que les policiers montent, en fait. Par contre, la dernière, je sais pas comment on fait pour la casser. Pour moi, excusez-moi, mais je prends les pièces parce que j'ai ah non, ça. Non, mais vas-y, hein, vas-y, vas-y. Il y a une pièce là. Non, c'est la mienne. Je vais te tuer. Non, c'est pas forcément. Moi. On avait dit que les pièces étaient à moi. Il y a un petit peu pour moi aussi parce que. Non. Bah, après, on va dire que je fais rien. Hein. Mais non, ça, on s'en fout. Ah, d'accord. On s'en fiche. T'es comme ça, toi. Bah, t'es comme ça, toi. Oh bah non, mais moi je veux des pièces, je suis femme et j'aime bien quand ça brille. Ah d'accord. Ah par contre j'ai oublié de casser un truc là-bas. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah bah il y a des pièces par contre je suis obligé de les récupérer, excuse-moi. Mais attends, c'est pas des pièces bleues et encore moins des pièces violettes, ça. Bah la pièce violette, la seule qu'on a vue jusqu'à maintenant, il y en a aucun de nous deux qui l'a pris. Donc au pire c'est pas comme si on l'avait pas vu quoi. Bah allez, on va essayer. J'ai ah d'accord. Du boulot pour toi. Ah, ah bon? Oui, là. Ah oui. Bah par contre, ouais, casse la tronche au mec parce qu'il va m'embêter. Merci. Ok, donc ça, pas, c'est bon. Oh, merci de gentil. Ok, c'est moi qui peux toucher. You. Ouais, c'est pas faux. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent, ceux-là? Oh non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oula. Oula. Coucou. Ils se pensent pour des pompons de guerre, là, je sais pas. Ils vont faire un pont, je pense. Voilà, ils ont fait un pont. Ah. Oh non, on peut faire passer c'est Zoro. C'est Zoro. Zoro est arrivé! Hey, sans se presser. Ah, mais ça, là, il s'est pas pressé. Oh les mains, oh le lapin, la maîtresse en maillot de bain. Ah ça, c'est un mec que j'ai pas entendu, celle-là. Alors, par contre, on fait quoi là, à part dégommer le vieux là? Je crois qu'il y a un truc à faire, non? En fait, on peut pas l'approcher pour le moment, on va essayer de lui balancer un truc en pleine poire. D'accord, le bâton ne fonctionne pas. Seuls les explosifs peuvent détruire. Allez, d'accord, en fait, faudrait s'approcher d'ici, je pense. Attends, en fait, faudrait que le gland nous balance des explosifs dessus. Attends, appuie sur un pour assommer les volants. Avec le bâton, ok. Hop. Ok, donc c'est bon, on l'a assommé. Donc. Ok, donc. Ah, vas-y, vas-y. Va là-dessus. Voilà. Et tu sélectionnes les trois objets. Voilà, c'est bon. Là, tu lâches. Voilà, et ça va reconstituer tout seul. Nickel. Ok, parfait, donc ça au moins c'est... On a trouvé comment fallait faire pour avancer dans le niveau, c'est super. Ça va être quoi cette fois-ci? D'accord, ça va être un ventilateur. On a besoin de Emmett, je prends Emmett et on va déclencher ce petit système de ventilation. Ah oui, d'accord, en fait, faut que je le répare. Ok, parfait. Par contre, tu t'es fait découper, là. Oui, on m'a dégommé, là. Ok. Toutes les pièces bleues. Oh, toutes les pièces bleues. C'est à moi. Non, c'est à moi. Eh, on fait moitié-moitié? Non.
Allez! Mais en fait, je sais même pas qui je suis là. Attends. Tu piques tout! Ah, maintenant, je me suis fait dégommer, donc faut pas te piquer. Pour toi. Et on se calme. Attends. Ah, il y a Momo, s'il y aille. Attends, en fait, faudrait dégommer la tronche au mec parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu chiants là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh, mais j'arrive pas à lui casser la tronche. Non, mais c'est, on peut rien faire avec tout ou quoi? Ah, d'accord. C'est quoi ça? Ah, d'accord. On a de la propagande. Ouais. Je pense que. Je vais le faire, attends, je vais le faire. Je sectionne ça et ça, hop, c'est parti. Ok, donc là, on reconstitue les éléments. Ok, nickel. C'est vrai que je crois que dans la série Lego La Grande Aventure, pour le moment, c'est l'épisode le plus long qu'on ait fait quand même. Et après tout, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que les précédents étaient assez courts. Mais celui-là, s'il est assez long, bah écoute, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien quand c'est assez long. Je sais pas ce que je fais! Arrêtez de faire murmure dans la boue! Aidez-moi un peu! Gul'dan, je veux bien un coup de main! Aïe aïe aïe! Ah! Vite mieux, tu nous rattrapes! Oula. Ok, donc c'est reparti pour un tour. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis qui moi? Ah, je suis Visrevius. Ok. Vois ce genre de niveau, je suis rien du tout. En fait, c'est surtout qu'on comprend pas trop ce qu'il faudrait faire en fait. Faudrait tirer sur les mecs ou comment ça se passe? D'accord, bah, en fait, il y en a. Oui, pareil, non, mais en fait, il y en a 6 à dégommer. Mais. D'accord, attends, on en a. Je suis qui moi? En fait, toi t'es la. T'es Emmett en fait. D'accord. Donc, t'es le missile bleu, je crois. Attends. Non, je suis verte, non? Attends, mais comment ça se fait que je suis. Ah non! T'es Vitruvius donc t'es vert. Et moi je suis Emmett donc je suis bleu. Attends, mais c'est. Quand ça t'es fait... sûr quand attends. Ça... C'est sûr, regarde. Attends. Là, moi je bouge par là et c'est vert. Et hein. moi je. Oui, c'est ça. Ouais, donc je suis Emmett. Ouais. Non, t'es le vieux. Bah non, parce que regarde. Oui, en fait, non, c'est un peu bizarre. J'avoue que c'est un peu le bordel. Là, je bouge et je vois Emmett bouger en même temps. Je suis Emmett. Hein. Ah, mais en fait, t'es Emmett mais en vert et moi je suis le barbu en bleu. Mais c'est n'importe quoi. En fait, on a un de ces bazars là. C'est n'importe quoi. Parce que les pointeurs ne vont pas du tout avec la couleur des personnages, si vous okay, voyez. Je suis perdu là. Bah pareil, moi c'est. Là c'est. Ah, là. C'est bon. Ah ok, en fait, ça y est, ouais, non, ça y est, je suis en train de m'y retrouver moi aussi, ça y est, en fait. Ah bah, disons, c'est vrai qu'ils auraient pu un petit peu plus bosser là-dessus et faire des trucs un petit peu plus logiques, mais bon, au pire, c'est pas grave. Faut juste s'y retrouver un petit peu et puis après, quand s'y retrouve, c'est bon, c'est nickel. Donc, on a 2 véhicules et 10 mecs à dégommer. Et moi j'ai loqué, comme d'hab. Donc. Ça me rappelle trop le film. Le film du hockey? Non. Retour dans le futur, mais celui-là c'est en l'occurrence retour dans le passé. Ouais, tout à fait. J'adore ce film. C'est vrai? Ouais, le premier et le deuxième, le troisième un peu moins parce que. Bah, c'est dans le Far West. Voilà, je suis pas trop fan des films. Ouais, bah oui. Mais il était top, hein, franchement, il est bien. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc alors, attends, maintenant on a encore un véhicule et six robots à dégommer. Donc on va essayer de faire ça dès que possible. Mais t'as vu, c'est nu, on a des pièces, sauf qu'on peut pas les prendre. Par terre ou... Ouais, par terre. Ah bon? Bah, regarde, il y a des pièces là-bas et... J'ai vu une pièce bleue tout à l'heure, on peut pas les prendre. Ah. Et bien voilà, c'est ainsi qu'on termine ce quatrième chapitre. Lego pour penser à ça, hein. J'avoue. Bah, ça, c'est vrai que c'est un univers qui est assez drôle quand même, hein. Alors, donc, j'ai même pas vu qui c'est qu'on a débloqué, c'est pas grave, puis on s'en fout. Franchement, ce nouveau jeu, il est vraiment bien. J'étais. Ouais, il est pas assez mal.
pas déçu, mais disons que j'étais un peu lassé par les jeux Lego, mais celui-là, il m'a vraiment donné le goût. Ouais, c'est... non, mais en plus, c'est vrai qu'il change un petit peu, et puis c'est une histoire propre au Lego, quoi. Moi, c'est vrai qu'au niveau, enfin, comme je l'avais dit dans le premier épisode, je trouvais que le jeu était un petit peu plat, mais après tout, c'est la patte artistique du jeu qui veut ça. Et après tout, c'est pas plus mal. Franchement, c'est un jeu plutôt excellent, quoi. Franchement, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est. Ouais, il est pas mal. Au niveau des pièces, on a récupéré 57%. T'es nul. Bah, j'avoue que par rapport à tout ce qu'on a récupéré, c'est moi qui suis nul là. Oui. Ah d'accord. Par rapport à tout ce qu'on a récupéré, c'est assez bizarre qu'on soit à 57%. Pire, c'est pas grave. Donc, on continue ce soir pour voir ce qui nous attend dans le prochain épisode. Ok, parfait. Donc, je suis qui, moi, maintenant? Oh, je suis Cooltag. Attends, on va changer. Je prends le vieux, au pire. Moi, je garde Emmett. Non! Si, il est trop chou! D'accord, bah moi, je garde Cooltag. Voilà. Par contre, j'espère qu'il va bientôt enlever la pierre, là, parce que ça fait... La pierre, il va la garder jusqu'à la fin, je pense. Oh, c'est nul. Bah, c'est l'élément clé de l'histoire, donc je pense qu'il va la garder jusqu'à la fin, un truc comme ça, tu vois. Donc, la semaine prochaine, nous nous retrouvons... la semaine prochaine, dans le prochain épisode, tout dépendra quand sera le prochain épisode. Donc, on se retrouvera devant ces portes-là. J'espère que cet épisode vous aura plu, et puis on se retrouvera très prochainement avec une vidéo dans laquelle Nelly sera avec moi, j'espère. J'espère quand même, hein. Donc voilà, est-ce que t'as un petit mot de fin à dire? Non, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez bien, surtout, c'est le plus important. Exactement, donc bonne année, bonne santé, n'est-ce pas? Moi je l'ai pas dit, moi. Ah oui, c'est vrai, bon bah ça, donc, bonne année. Bonne année, un peu en retard, certes, mais bon, le plus important c'est de l'avoir dit, hein. C'est ça. Et j'espère que cette année sera vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Exactement, donc on va se quitter sur ce petit mot de fin. Donc encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Everything is awesome.